Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réviser la conjugaison de l'imparfait. C'est un des temps les plus simples parce que la règle est la même pour quasiment tous les verbes. Commençons par le radical. Le radical de l'imparfait est le même qu'à la première personne du pluriel au présent. Prenons par exemple le verbe « finir ». Au présent, à la première personne du pluriel, cela donne « nous finissons ». Pour obtenir le radical, je commence par enlever la terminaison. Le radical obtenu est donc « finissent ». Je passe maintenant aux terminaisons. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes « is »,« is »,« it », « ions »,« iez »,« aint ». Je les ajoute ainsi à mon radical, ce qui donnera « je finissais », »,« tu finissais », »,« il finissait », »,« nous finissions », »,« vous finissiez », »,« il finissait ». Passons à quelques particularités. Les verbes en « g » ont besoin de l'ajout d'un « e » entre le radical et la terminaison quand celle-ci est en « est ». Ainsi, nous aurons « je mangeais » avec un « e ». Devant la terminaison « ions-iez », il n'y a aucune difficulté, donc aucune modification. Nous mangions. Il en va de même pour les verbes en « c » comme « lancer ». Devant une terminaison « est », on va ajouter une cédille au « c » pour continuer à avoir le son « se » comme « je lançais »,« il lançait ». Devant « ions-iez », il n'y a aucune modification. « Vous lanciez ». Le verbe « être » est la seule exception à la règle de formation de l'imparfait. En effet, son radical est irrégulier. Il est en « être ». Ainsi, nous aurons « j'étais »,« il était ». Cette vidéo est déjà terminée. À bientôt !